Aïna, eh bien voilà. Eh bien voilà, Patrick, c'est à toi. La salle est chaude. Merci les amis d'être aussi nombreux ce soir. Bravo à vous. Eh bien applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Dernière soirée de la rentrée littéraire 2023. Bon. Et nous allons faire un voyage ce soir, un voyage international. Nous allons démarrer par l'Afrique, puis nous irons aux États-Unis et nous finirons en France. Je sais qu'il y a parmi vous beaucoup de gens qui aiment l'Afrique. Ça, c'est une petite africaine. Elle est née en Afrique. J'ai même ma robe, oui. Et la robe vient du Sénégal, en Casamance. Ah, mais on va en parler du Sénégal. Elle est belle, Irène, hein? Alors, c'est une championne de... C'est une championne de quoi, Irène? De... Le longe-côte. Elle fait partie de toutes ces personnes formidables qui font du longe-côte au Cap Ferré. Du longe-côte. Ça veut dire marcher dans l'eau. Pas sur l'eau, comme Jésus, non. Jésus, on n'en parlera pas ce soir. Si, un peu, à la fin. Bon, merci à vous d'être venus de l'autre côté du bassin. Même d'Arcachon. Arcachon est là ce soir. Biarritz est là ce soir. Anglette est là ce soir. Oui, Anglette. Oui, Frédéric. Il boit. C'est normal. Ça y est. Et nous allons commencer par... Oh, le voilà. Il a mis un pantalon. Oui, toi aussi. Oh, t'es beau. Oui. Très chic. Vous l'auriez vu à la jetée de pierre à Arcachon, il y a une heure à peine, méconnaissable. Méconnaissable. C'est pas mal à poil. Il était, on aurait dit un, je ne sais pas. T'es mieux maintenant. Bon, alors voilà. Cette soirée va être sous le signe de la bonne humeur, parce que même si nous parlons de, si ces auteurs vont nous amener sur des chemins de, où les sentiments et l'amitié, l'amour, mais aussi les grandes questions, peuvent être abordés grâce à la littérature. Comme nous l'a expliqué notre ami Rachid Benzine, qui est là et qui sera à un moment donné, questionné. Nous essayons de faire un voyage qui soit aussi un voyage de l'amitié. De l'amitié entre nous, de l'amitié entre les peuples. Et nous commençons avec le professeur. Oui, il est en train de signer, là, il pense qu'à signer. Alors s'il vous plaît, achetez-lui des livres parce que je craque. D'abord, ces livres ont été les plus compliqués à faire venir, on les a eus au dernier moment. Et alors, il m'a fait une promesse qui ne serait pas trop longue. Et ça, je ne sais pas s'il va la tenir. Alors, nous commençons notre voyage par l'histoire d'une amitié. Une amitié entre un Français de France, vraiment de France, qui s'appelait Hubert, comme son auteur. Oui. Tu l'as fait exprès. Voilà. Donc, comme il s'appelait Hubert, il a voulu faire son... raconter... Voilà. L'amitié de cet homme, Hubert, avec un Marocain. Voilà. Et... Hubert Seyand, vous êtes nombreux à le connaître, parce que l'avantage, c'est qu'il veut être celui qui vend le plus de livres ce soir. Donc il a appelé tous ses copains et ses copines du Cap Ferré, comme il y est depuis très longtemps, et qui fait une fête tous les ans, au mois d'août. Hubert, c'est quand? Allez, rappelle, on sera là tous l'année prochaine, parce qu'en plus l'année prochaine, ça va être un anniversaire particulier. Le 10 août, soyez là, allez, rendez-vous à la cabane de la soif,
que c'est le nom de sa maison, dans les 44 hectares, hein, pour ses 80 ans. Ouais, il voulait pas que je le dise. Alors, ça fait 60 ans qu'il écrit. Il a été professeur à Bordeaux, à la faculté de droit. Il a été éditeur, parce qu'il a eu une revue qui a eu un grand succès professionnel, qui s'appelait Préventique. Il a été expert, même dans une des plus... Préventique, c'est sa spécialité, c'était le problème du risque, le droit du risque. Bon. Et il a été expert dans l'affaire qui a explosé à Toulouse, là, AZF. Hein. Et il a, depuis de nombreuses années, c'est un amoureux du Maroc. Et il a eu, comment dirais-je, il a été sollicité de nombreuses fois, et puis il participe à un petit groupe de personnes depuis quand, Hubert, prends le micro et répond à mes questions, s'il te plaît. Merci à tous déjà. Oui, mais depuis combien de temps tu... Alors, au Maroc... Tu vas à l'ONU tous les ans avec les gens... Depuis 6 ans. Depuis 6 ans, tous les ans, tu vas à l'ONU... Pour plaider la question du Sahara marocain, dont sur laquelle j'ai écrit un livre, qui, d'ailleurs, pour te faire plaisir à toi, qui es un grand libraire, est publié en Chine. Oui. Voilà, et il est là, en chinois, ça m'a beaucoup étonné. Donc, s'il y a un chinois parmi vous qui veut lire le livre d'Hubert, on a réservé l'exemplaire. Bon, certes, c'est un exemplaire unique, hein. Enfin, en tout cas, on vend plus. Il a été multiplié comme les pains... en Chine, mais ici, il est un peu interdit. Hubert, pourquoi as-tu voulu écrire encore un livre, qui n'en finit plus, sur Hubert? Sur Hubert Louis. Oui. Oui. Hubert Louis, comment? Hubert Louis Lyautey. C'était un Lorrain. C'était un Lorrain qui est beaucoup mieux connu au Maroc qu'en France. Et ce sont des Marocains, amis, qui ont souhaité... Sachez-le. Tu me poses une question, j'essaie de répondre. Qui ont souhaité que j'écrive sur Lyautey. J'avais rencontré Lyautey autour de tous mes travaux précédents sur le Maroc, sur le Sahara notamment. On ne peut pas faire l'impasse de Lyautey. Il fut résident général du protectorat de 1912 à 1925. Il était né en 1854. Il travailla avec Gallieni, notamment à Madagascar. Et il est arrivé aux confins du Maroc en 1906, en Algérie, pour s'occuper de la sécurité sur les frontières. Ensuite, quand on a fait le protectorat, qui n'est pas une colonie, et j'insiste bien là-dessus, il devint le premier résident général. Et il a lié des liens très particuliers avec la famille royale et le sultan Moulay Youssef, qui lui mourra en 1927, et Lyautey partit dans des conditions exécrables, pour du moins du point de vue de la France, car il partit, il a été éjecté par le bloc des gauches, un nommé pain levé. Ce pain levé lui a enlevé son mandat, l'a poussé à partir, et Lyautey est parti sur ses centimes. Il a pris un paquebot tout seul, il est arrivé à Marseille tout seul, reçu par personne, sauf quelques amis. Et voilà, il y a eu entre... Il est parti dans la gloire et dans les pleurs des Marocains. Et quand il mourut en 1900, il avait des pleurs, les Marocains. D'ailleurs, les Marocains ont pleuré quand il est parti. J'ai un passage là-dessus, en effet, tu as bien vu, avec une photo de Lyautey entouré de tous les notables marocains, il embarque sur un paquebot privé. Voilà. Et quand il mourra en 1934, les conditions seront différentes. Il avait demandé à être inhumé au Maroc, et là il sera escorté par la marine d'une douzaine de pays, dont l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, voilà.
Et donc, il revient au Maroc en triomphateur. C'est extraordinaire. Mais le livre que j'ai voulu écrire, ce n'est pas un livre sur Lyoté, in fine. C'est le livre sur l'amitié que Lyoté a établie avec le jeune sultan Moulay Youssef. Ils vont agir de concert. Lyoté, comme a dit Assange plus tard, n'était pas un colonialiste. C'était le contraire d'un colonialiste. Et Lyoté aura l'amitié de toute la famille alaouite, vous entendez, jusqu'à aujourd'hui avec Mohamed VI. C'est ça qui est très important. Quand on voit que la République avait, du temps de Lyoté, tout fait pour ramener le Maroc à une colonie de type algérien avec des départements et des préfets, on comprend que Lyoté a été en situation d'opposition permanente avec les gouvernements successifs. Il aura cependant quelques amitiés, et notamment celle de Clémenceau. Clémenceau, un laïc, Lyoté, au contraire, un homme plus dans la tradition. Eh bien, ils s'entendront parfaitement. Et Clémenceau rendra hommage à Lyoté et se soumettra à l'idée qu'avait Lyoté de ce protectorat. Un protectorat, disait Lyoté, et il l'a dit souvent, c'est avant tout le respect du traité. Et donc il y aura une relation triangulaire. Vous voyez, c'est ça l'originalité par rapport à ce qu'on peut voir dans une colonie classique, qui est d'administration directe. Là, avec Lyoté, nous aurons trois personnages. Lui-même, bien sûr, mais aussi Moulay Youssef et le traité. Le traité qui agit comme une personne. Il est sans arrêt sur le sujet de la décision. Ils sont trois à décider, sur tous les sujets. Même ceux qui relèvent de la compétence du résident général et donc de la République, il y aura toujours trois personnages qui seront là pour décider. Il faut être en accord avec le traité, il faut être en accord avec Moulay Youssef, et ainsi, de fil en aiguille, si l'on peut dire, une amitié va se développer, mais une amitié considérable. Vous trouverez dans ce livre une bibliographie. Ma bibliographie est très importante. Tout ce que je dis se trouve dans la bibliographie. Je ne mets pas de renvoi, il n'y a pas de notes. Je n'ai pas voulu mettre de notes pour alléger le texte. Mais tout est garanti dans la bibliographie. Et je m'amuse, à un moment donné, à vous proposer un récit de cette amitié en forme un peu romancée. Il y a un chapitre qui, en effet, tu l'as remarqué, Patrick, s'appelle cher Patrick. Entre réalité et imagination. Eh bien, ce sont des conversations que j'ai voulu imaginer, évidemment, mais à partir des faits réels, entre Lyoté et Moulay Youssef, entre Lyoté et un ami Fassi, c'est l'homme de Fès, entre Madame Lyoté et la mère du roi, du sultan, du roi, entre une journaliste américaine, Edith Wharton, que certains connaissent parce qu'elle a été très productive. Cette journaliste américaine était venue au Maroc pour se rendre compte de ce que faisait ce Lyoté dont on parlait aux États-Unis, parce qu'il étonnait le monde. Il étonnait le monde. C'était de la part, vous le savez, un grand seigneur, qui vivait somptuairement, lui-même très modestement, mais qui vivait, qui donnait à la résidence un lustre extraordinaire. D'ailleurs, quand les ministres venaient, ils s'étaient gênés, ils n'existaient pas. C'était Lyoté qui était là toujours, parce que sa personnalité était telle qu'il avait une force personnelle extraordinaire. Alors, mon cher Patrick, puisque c'est ainsi que je dois t'appeler, bien sûr, je te remercie tout d'abord de m'avoir permis d'évoquer cette phase de l'histoire de notre République. Car on oublie que le Maroc n'a jamais été colonisé. Voilà. Le Maroc ne fut pas une colonie. Certes, il y a eu, après Lyoté, quand il est tenu de s'en aller,
parce que le gouvernement ne lui accorde plus la confiance qu'il souhaitait avoir, compte tenu de ses positions. Quand Lyautey sera remplacé progressivement, c'est ce progressivement qui compte. Et on va avoir un modèle qui va être celui de l'Algérie. Progressivement. On n'ira pas jusqu'à faire des départements, mais on tend vers cela. Et il y a eu, et là je cite Edgar Faure dans ses mémoires. Edgar Faure dans ses mémoires a parlé d'un coup de 53, d'un coup d'État qui aurait lieu à Rabat, sous le résident général Guillaume, après juin, et préparé par juin, un coup d'État interne au Maroc, qui a imposé au gouvernement, qui était empêtré dans l'affaire de l'Indochine avec Mendès France, qui personne n'a rien vu, ils ont placé en état quasiment d'arrestation le sultan, le fils de Moulay Youssef, c'est-à-dire le futur Mohamed V, ils l'ont placé en état quasiment d'arrestation, ils l'ont envoyé en exil en Corse, puis ensuite à Madagascar, et remplacé par un fantoche, de telle sorte que le Maroc a été tétanisé et n'a plus fonctionné du tout. Nous étions dans une guerre civile au Maroc. Les mosquées, puisque vous savez que le sultan est le commandeur des croyants au Maroc, il a un rôle religieux, une fonction religieuse. Les Marocains n'allaient plus dans les mosquées. Il y avait la grève des mosquées. C'était absolument. Nous avions un pays vidé de toute sa substance. Et Edgar Faure arrive après Mendès France, qui avait réglé l'affaire d'Indochine. Et Edgar Faure a pris immédiatement la chose en main. Il l'a fait avec sa capacité. Certains se souviennent de ce que pouvait être Edgar Faure, un homme qui avait une parfaite conscience de ses qualités. C'était celui qui disait qu'il avait toujours, que c'est un grand tort que d'avoir toujours raison. Alors, il a eu raison. Et c'est grâce à Edgar Faure et à Antoine Pinet que le sultan Mohamed V, le roi Mohamed V, qui va s'appeler, va revenir au pouvoir. Et là, puisqu'il s'agit d'amitié, je rappellerai que Mohamed V, en 39, avait fait un appel lu dans toutes les mosquées pour que son pays, le Maroc, soit auprès de la France dans la guerre contre les nazis. Chapeau. Nous avons fait à Bordeaux en 2019, un éloge de Mohamed V à l'occasion de l'anniversaire. C'était à la faculté à Péberlan. Et j'ajoute, et je termine là-dessus, ce sera mon dernier mot, j'ajoute que quand il revint à Casablanca, sur le tarmac de l'aéroport, dans le soleil du mois d'avril, il va faire un long discours. Et dans ce long discours, il va en appeler à l'amitié avec la France. Voilà. Alors, vous trouverez, et ça c'est fondamental, parce que cette amitié n'a jamais été atténuée, certes aujourd'hui, il y a des zones d'ombre. Vous savez que le Maroc n'a pas d'ambassadeur à Paris. Il y a un chargé d'affaires. Et nous avons eu un ambassadeur qui a été récusé par le roi il y a quelques mois. Le nouveau semble avoir des qualités exceptionnelles. Il est en poste à Rabat. Souhaitons qu'il réussisse à remettre les pendules à l'heure, si l'on peut dire. Parce que vous savez que les pendules, c'est une affaire qui, dans la diplomatie au XVIIe siècle, avait été mise en exergue, les pendules, parce que Louis XIV avait envoyé au sultan de l'époque, Moulay Ismaïl, une série de pendules. Et c'est voilà, ce qui montre que l'amitié est ancienne et souhaitons qu'elle perdure. Merci encore. Bravo Hubert. Il a respecté le pacte que nous avions signé. Voilà. Il y avait le pacte avec Lyautey, là il y avait le pacte Hubert-Patrick. Voilà.
Rachid Benz, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Quand est-ce que c'était, jeudi ou vendredi? C'était jeudi. C'était hier. Non, mais il était là aussi jeudi. Rachid a fait une prestation absolument formidable. Il fait partie des auteurs qui ont le plus signé. Et je vous connais, surtout un certain nombre d'entre vous, je sais ce que vous lisez. Et je sais que vous ne lisez pas forcément, les livres que Rachid pourrait écrire de son point de vue de, je dirais presque de sociologue, de scientifique, d'universitaire. Certes. Toutefois, il a écrit un roman, et ce roman a accroché un certain nombre d'entre vous. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, venir, Rachid, et je voudrais que tu sois beaucoup moins long que Hubert, mais que tu nous dises, mais non, c'est normal, puisque tu es l'interlocuteur, que tu nous dises si tu es, est-ce que tu penses que l'amitié est quelque chose qui peut exister entre des Marocains, des demi-Marocains comme toi, bien que tu sois assez haut, puisque tu es moitié Marocain et moitié Français, puisque tu as les deux nationalités, bien que papa et maman soient Marocains. Bon. Et en plus, tu es dans l'épicentre des problématiques françaises en étant l'habitant de Trappes. Est-ce que tu penses que... l'amitié est quelque chose qui peut être entre Français et Marocains. Oh. Et toi, c'est un pensif. Oh. En tout cas, ce qui est très important, c'est de s'inscrire dans le temps long de l'histoire et de montrer qu'effectivement, il y a eu des espaces de dialogue, puis il y a aussi des espaces de tension. Or, aujourd'hui, on est plutôt dans un espace de tension. La question que j'aimerais poser par rapport à Lyoté, c'est vrai qu'effectivement que Lyoté jouit d'une très bonne image au Maroc, puisqu'il y a des lycées, le Maroc a donné le nom de Lyoté au lycée. Mais j'ai pas entendu, ou en tout cas j'aimerais aborder la question, que ce protectorat, même si ça n'a pas été une colonisation dans la même chose qu'avec l'Algérie, ce protectorat n'a pas été non plus sans violence. Et donc la question c'est comment Lyoté a abordé cette question de la violence je dirais, vis-à-vis des Marocains, vis-à-vis d'un espace qui Rachid. Était au départ autonome. C'est la question que je pose. Rachid, veuillez venir près de moi, car vous êtes derrière le pilier, et je n'aime pas parler au pilier. On va faire court, hein, si vous le voulez. Non, mais je vais répondre très simplement. Il ne faut pas oublier, Rachid, qu'au XIXe siècle, le Maroc a connu une période excessivement particulière, parce que le pouvoir central était contesté par des féodalités, ça n'allait pas du tout. Et bien entendu, et là j'ai tout un chapitre qui présente le sujet, les Européens qui s'installaient en Afrique voyaient avec beaucoup d'attention, avec une attention parfaite, regardaient avec attention le délitement de ce pays. Et ils l'ont saigné financièrement. Il a été saigné financièrement parce que c'était la loi de l'étalon or. Et si le Maroc exportait, il était pauvre. Et de ce fait, ça aussi c'est très important, il y avait des désordres dans ce pays, il y avait des désordres. Il y a eu des sultans solides qui ont voulu maintenir l'unité, mais c'était difficile. Et vous savez que tout est contradiction, Rachid. Lyoté était un général de la République, mais au fond de son cœur et de sa pensée, il avait une âme de monarchiste. Et quand il est venu au Maroc, il a été happé, si l'on peut dire, par ce pays, ses traditions, sa façon d'être. Il est entré dans l'âme du pays, on peut le dire. Et de ce fait, immédiatement, il a agi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le respect le plus absolu du traité, à la lettre. Le nombre de courriers
qui l'oppose au gouvernement au pluriel de l'époque sur ce sujet mérite d'être cité. J'en donne un certain nombre, mais c'est sans cesse. En vérité, Lyoté a fait ce que les sultans n'avaient pas été en mesure de faire, parce que le pays était faible. Alors, après, il y a deux types de protectorats. Vous m'avez entendu le dire. Quand Lyoté part, progressivement, j'ai dit, vous avez entendu dire, j'ai dit progressivement, le système du protectorat va donner place à un système d'administration directe. Mais les troubles des années 50, il y a eu des troubles graves, il y a eu des morts, je ne le cache pas, mais ce n'est pas du temps de Lyoté. Lyoté disait, ils sont fous, quand il a vu certaines évolutions. Il est mort en 34, il n'a pas vu tout cela. Mais moi, je parle de l'amitié entre deux hommes. Cette amitié, le titre le dit, est constructive, parce qu'elle se prolonge encore. C'est cela que je veux dire. Et ce que je regrette, c'est qu'une fois encore, notre pays ne rende pas à ce pays, vous avez compris que j'ai une certaine affection pour le Maroc et pour beaucoup de Marocains, ne lui rendent pas comme il le mérite. J'ai plusieurs fois, vous entendez Rachid, et je vais dire quelque chose que... Oui, mais je voudrais dire aussi que j'ai demandé hier à Rachid de participer à un ouvrage collectif. Il ne m'a pas donné sa réponse, mais... Non, mais peut-être un ouvrage collectif, et j'ai parmi le dernier texte que je viens de recevoir d'une Marocaine, elle me dit qu'elle attend de la France l'amour qu'elle donne à la France. Voilà, bravo. Est-ce que l'amitié est possible? Malgré l'histoire, ou à cause de l'histoire. Non, je dirais que l'amitié est un projet, c'est une promesse, hein, on peut la rater. Ce qui est très important, c'est de, dans une amitié, de compliquer les intrigues. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Merci. Il faut céder la place, on continue en Afrique. Est-ce que l'Africain qui est toujours en retard est là? Est-ce que notre ami Alain Mabankou est là? Où il est? Il se cache, il ne peut pas se cacher. Et je demande à Charline et Fa de venir. Alors, là, on va parler du Sénégal, un peu, du Gabon et de ton pays, du Congo Brazzaville. Voilà. Alors, comment c'est le titre qu'on m'a dit tout à l'heure? Dis-moi. Ce soir, on va faire Mokonzi. Je passe la parole à Mokonzi. Mokonzi, Alain. Ça y va? Oh, c'est là. Donc, je ne sais pas dans quel ordre Patrick a voulu que ça soit. Géographique. Oui. Le Maroc. Ah non, mais pourquoi le Maroc? Il y avait des Marocains qui ont... Mais c'est fait, oui. Donc, non, ici maintenant, parce que est-ce que je la présente un peu? Ok. Non, c'est simplement vous remercier déjà d'être nombreux. Hier, c'était plein. Aujourd'hui, comme on dit au Congo, ça a débordé. Voilà, nous aimons le débordement. Et si nous aimons le débordement, c'est que nous aimons aussi vous amener les auteurs qui comptent, les auteurs qui écrivent, les auteurs qui ont un imaginaire qui vous fait peut-être
changer les idées sur l'évolution du monde. C'est dans ce sens que nous avons estimé que Charlie Neffa, qui est la nouvelle voix de la littérature africaine qui monte actuellement, sa place était d'ouvrir sa rentrée littéraire au Cap Ferret. Et on peut la saluer. Voilà. Et je suis d'autant plus émerveillé que ce livre qu'elle a publié, Les femmes de Bidi Bidi, hein, Bidi Bidi, Les femmes de Bidi Bidi, est un livre exceptionnel sous plusieurs aspects. Aujourd'hui, on parle beaucoup de féminisme, on parle beaucoup des femmes, mais elle a rajouté dans la dimension des questionnements que nous avons une part d'humanisme que beaucoup d'observateurs ou d'observatrices ne nous offrent pas. Et donc, quand vous lisez les femmes de Bidi Bidi, ben, elle va vous raconter vraiment ces femmes qui sont les survivantes des violences, qu'elles soient domicile, des viols, de la guerre, et qui tentent de reconstruire ou de se réinventer. Donc, elle a, à mon avis, introduit dans la littérature africaine, le livre de la réparation. C'est-à-dire que jusqu'alors, beaucoup d'écrivains, nous faisons le constat. Nous disons ce qui ne se passe pas, mais on ne propose pas qu'est-ce qui va se passer, quelle est la réparation qui a été faite. Et donc, elle connaît mieux son livre, même si je l'ai aimé, puisque je l'ai lu en manuscrit, c'est la chance que j'avais, et j'étais tellement émerveillé que j'ai pris mon téléphone, j'ai passé un coup de fil à 2-3 éditeurs. J'ai dit, vous avez 24 heures, celui qui me répond le premier prend ce livre. Et Emmanuel Collas, qui a publié déjà Amali Djilal, prix Goncourt de lycéens, m'a appelé immédiatement. Il a dit, écoute, allez ma banque, j'ai lu les titres et je le prends. Voilà. Parce qu'il me faisait confiance pour ce qui s'en suivrait derrière. Donc la première question que je voudrais poser à Charlie Neffa, d'origine gabonaise, chef d'entreprise, mais connu beaucoup plus comme écrivain dans la littérature que nous faisons actuellement, a publié déjà 2-3 romans, dont le dernier que j'avais apprécié au plus grand prix, c'était le roman Naître, où il y avait aussi Naître avec N apostrophe et l'auxiliaire, Naître, dans ce sens. Et son parcours est exceptionnel, puisqu'il est né quand même, il ne faut pas non plus dire que les parents n'étaient pas à l'école, non, c'est exceptionnel. Des parents intellectuels, je crois, des juristes, etc., etc., papa avocat, donc c'est fini cette littérature, hein, vous savez, je vivais dans une case, non, on se calme. On peut être Marcel Proust bourgeois et écrire la grande littérature. Voilà, donc c'est Marcel Proust version camerounaise. Donc voilà, gabonaise. Oui, mais sauf que le père est camerounais et la mère est gabonaise. Mais en Afrique, on choisit toujours le lieu de la maman, parce qu'on dit toujours que la femme est le lieu exact de la naissance. Voilà. Alors, Les femmes de Bidi Bidi, ce roman, d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler les circonstances qui t'ont poussé à écrire ce roman, qui s'appuie quand même sur une réalité très dure en Afrique? Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là. Pour parler des femmes de Bidi Bidi parce que c'est un texte que j'ai longtemps porté. Alain au courant lorsque j'avais terminé le premier jet. Et déjà je m'inquiétais parce que l'éditeur qui a publié mes précédents textes a fermé sa maison d'édition. Et donc je m'inquiétais de l'avenir des femmes de Bidi Bidi parce que je me suis réellement beaucoup investie pour ce roman. Alors les femmes de Bidi Bidi c'est quoi ? Un jour, je tombe sur un article qui parle des camps de réfugiés dans le monde. Et l'article parlait en termes de statistiques, chiffres, quotas. Et cet article précisait que la plupart des réfugiés dans le monde étaient des femmes, ensuite des enfants. Alors je me suis dit, on dit 70% des réfugiés sont des femmes. Mais c'est quoi l'histoire de ces femmes?
j'ai commencé à faire une petite recherche sur Internet. J'ai lu d'autres textes et j'ai démarré un premier manuscrit qui a fait une centaine de pages. Je l'ai terminé et en relisant, j'ai trouvé que mes personnages n'étaient pas assez incarnés. Parce que je suis quelqu'un, j'écris avec les tripes, j'écris avec le corps, j'écris avec le cœur, mais je trouvais ça trop, pas assez fort. Alors je me suis dit, et si j'allais dans un camp de réfugiés? Aussi pour aller chercher une sorte de légitimité, parce que c'est bien facile hein, d'avoir mon appartement à Montmartre, d'écrire depuis Montmartre, sur des questions que je n'ai pas touchées en fait du doigt. J'ai regardé la carte de l'Afrique, j'ai éliminé la RDC d'emblée parce que j'avais peur des conflits qui ne se terminent jamais dans cette région. Et puis j'ai vu l'Ouganda, le nord de l'Ouganda, un camp de réfugiés qu'on appelle le camp de Bidibidi, qui compte parmi les plus grands camps de réfugiés dans le monde et qui semble très bien organisé. Et je me suis dit, c'est là que je vais me rendre. Je vais me rendre en Ouganda. J'ai entamé ce voyage, ça m'a pris 2 semaines, j'étais en Ouganda. Je suis arrivée à Kampala, qui est la capitale. J'ai préparé mon excursion pour me rendre jusqu'au Abidibidi, parce qu'il a fallu traverser quand même tout le pays. Ça m'a pris 10 heures de route quand même. Je suis arrivée à Abidibidi, et là j'ai eu des larmes qui ont coulé. C'est un monde à part que je découvrais. C'est une autre forme de misère. On sent que c'est un pays transit, construit dans l'urgence, parce que des gens ont fui la guerre du Soudan du Sud. Ceux qui s'intéressent un peu à l'Afrique sont au courant qu'il y a une petite nation qu'on appelle au Soudan du Sud qui est devenue indépendante seulement en 2011. Et cette indépendance, la guerre pour cette indépendance, a été menée par 2 amis, Salva Kiir et Riek Machar. Donc ils deviennent indépendants, l'un est président et l'autre vice-président. Sauf que le pouvoir est très mal partagé par le président. Et donc un conflit va naître entre les 2 amis et ce conflit va se répercuter sur les populations parce que Riek Machar et Salva Kiir sont de 2 ethnies différentes, dont les Nuer et les Dinka vont s'entretuer. Et c'est à la suite de cette guerre que les populations vont se déplacer, vont quitter le Soudan du Sud et se réfugier à Bidibidi. Aujourd'hui, Bidibidi compte 300 000 réfugiés. Et donc j'arrive dans ce camp et je trouve des femmes plutôt fières. C'est un choc. J'ai mon regard de femme occidentalisée, ça fait 20 ans que je vis en France. Mais je tombe sur des femmes dans cette misère, elles sont altières, elles sont fières. Et comme elles le sont suffisamment et qu'il y a pas mal de personnes qui vont les voir, souvent il y a des journalistes, il y a des associations, et elles sont au courant de ce qu'il faut dire et de ce qu'il ne faut pas dire. Et en réalité, elles ne me disent rien. Et moi, c'est dans les silences. J'avais besoin, moi, des atmosphères, des parfums, des odeurs, des sourires, des vêtements qu'elles portaient, qu'elles arboraient, des cris d'enfants qui passaient, qui allaient à l'école. Ça m'a suffi pour reprendre ensuite le roman lorsque je suis rentrée à Paris, à quelques jours de ça du premier confinement. J'ai échappé au confinement. Je rentre à Paris, je ressors le manuscrit et il prend une autre dimension parce que je me suis imprégné du réel. Mais ça reste quand même une œuvre de fiction. Voilà, c'est vrai, ça reste une œuvre de fiction. Et ce qui est fort aussi, c'est le ton, c'est l'écriture, c'est la chaleur qui traverse ce roman. Dès la première page, par exemple, la figure de la mère, la figure du père, je vous lis le premier paragraphe pour vous donner déjà cette sorte d'avant-goût de son écriture. Mon père m'a dit un jour que les femmes avaient des ailes et que ces ailes avaient des plumes faites de la même matière que la résilience. C'était là le siège de toutes leurs effronteries. C'est pourquoi, ajoutait-il au cours de ces monologues nocturnes qui rompaient le silence de notre appartement,
pour faire d'une femme la tienne jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas son cœur qu'il faut atteindre. Il faut lui arracher les ailes, briser leurs nervures, extirper leurs racines, les brûler et en jeter les cendres dans un cours d'eau. Car, faible comme un oisillon, totalement dépouillée, elle sera pleinement dépendante. Mais ma mère avait déployé ses ailes brisées. Malgré le craquement et la douleur, elle avait quitté le domicile conjugal une nuit alors que j'avais à peine 8 ans. C'est un roman sur le courage aussi de la femme. Tout à fait, c'est un roman sur le courage, sur la capacité qu'ont certaines femmes à ne pas oublier leurs rêves, même lorsqu'elles se retrouvent au sein d'un foyer qui les méprise, lorsqu'elles sont mariées à un homme qui les bat. Ça, c'est le cas du personnage dont on vient de lire l'extrait. Il y a des femmes qui se souviennent de leurs rêves et qui déploient leurs ailes. J'aime bien cette symbolique des ailes, malgré les brisures. Donc, il y a un bruissement des ailes brisées qui parcourt ce roman. Et aussi, ce qui est génial, non seulement dans la fond, mais aussi dans la structure, on a l'impression que c'est un roman choral, polyphonique, avec plusieurs voix, plusieurs dimensions, des narratrices ou des narrateurs qui s'intercalent. C'est pratiquement la peinture de la vie sociale contemporaine avec ses affres, avec la remise en question probablement de la définition de la famille et peut-être aussi un féminisme à l'africaine. Est-ce qu'il y a une différence entre le féminisme, toi qui as été occidentalisé, est-ce qu'il y a le féminisme occidental et le féminisme, disons, africain ou négro-africain? Voilà. Je préfère négro-africain, c'est très beau. Non, je rigole. Négro-africain, c'est le monde noir. C'était une expression qui, jusque à la fin des années 70, caractérisait les cultures qui viennent des individus qui ont des racines africaines. Donc quand on disait africain, c'est l'Afrique, négro-africain, ben on mélangeait les noirs américains, on mélangeait les haïtiens, on mélangeait les noirs un peu de l'Asie, etc., pour, dans ce sens. Mais le terme a perdu un peu de son application à cause du négro qui précède, dont les gens n'ont jamais compris que ça avait un sens plutôt de fierté qu'avaient revendiqué les Africains dans les années 30-40. Donc, la question, je l'ai oubliée, mais tu l'as toujours. Ça, c'est le côté pauvre. Voilà, le féminisme occidental, le féminisme de Patrick. Voilà. En fait, on pourrait parler de féminisme avec au singulier, pour parler des affres que les femmes ont en commun, qu'elles soient en France, qu'elles soient à Dakar, qu'elles soient en Chine. Et après, il y a des particularités. Le souci, c'est qu'on a mis un terme sur les revendications des femmes qu'on appelle féministes, ou sur la façon dont les femmes veulent être au monde. Parce qu'ailleurs, on n'appelle pas ça féminisme, et pourtant, il y a des façons d'habiter le monde que revendiquent les femmes. Lorsque je suis allée à Bidi Bidi et que j'ai rencontré un chef, parce que Bidi Bidi c'est 5 villages, dont je rencontre le chef du village 5 et son épouse, et je vois bien que dans ce village 5, c'est la femme qui est la chef en fait. Et pourtant, elle n'a pas attendu qu'il y ait des lois qui soient votées. Elle n'a pas attendu de brûler son soutien-gorge lors des manifestations. Mais elle s'est affirmée autrement. Je pense qu'il y a une forme de féminisme de l'intime, en fait. L'intime, et ce féminisme, il naît à tous les endroits où les femmes se lèvent d'elles-mêmes sans avoir besoin d'un discours qui viendrait les convaincre pour leur dire « Voilà, mais révoltez-vous, est-ce que vous ne voyez pas comment vous êtes maltraitées ?» Et on a des figures féminines comme ça qui n'ont peut-être pas changé le monde. Je pense à mon arrière-grand-mère
j'ai eu la chance d'avoir un peu été élevée par mon arrière-grand-mère et toutes les femmes autour d'elle qui ont vu le pouvoir. Et donc je dis souvent à mes cousines, entre notre arrière-grand-mère et nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que nous qui avons l'instruction, la connaissance, nous avons le discours qu'il faut, mais on a l'impression que nous sommes plus dans la lutte que nos arrière-grands-parents, nos arrière-grands-mères. Il y a quelque chose qui s'est passé que je vais essayer de creuser en tant que romancière. Je n'ai pas encore la réponse, mais je pense qu'on pourrait s'inspirer des positionnements de nos aïeux, en fait. Mm-hmm. Et toujours dans cette structure qui est très, très, très habillée, est-ce que ça ressemble comme à une enquête? La Mingala qui apprend que sa mère a disparu dans un pays en Afrique de l'Est, là, dans une région en Afrique de l'Est, et qui tente d'y aller pour en voir plus. Puis on lui parle d'une femme qui s'appelle Rose. Tout le monde dans les camps des réfugiés parle de Rose, Rose, Rose. Donc on a l'impression que c'est une enquête et on a du mal à ne pas s'imaginer que Minga, c'est peut-être l'enquête que vous-même vous avez entreprise là-bas. Disons que Minga, elle est née, le personnage est né avant que moi je ne fasse le voyage pour l'idéologie. Mm-hmm. J'ai été sur les traces moi-même de Minga. Minga, c'est le personnage principal, c'est la petite fille qui est abandonnée par sa mère, mm-hmm, à l'âge de 8 ans et qui apprend lorsqu'elle a 48 ans, suite à la décès de son père, que sa maman avait envoyé des lettres pendant toutes ces années, des lettres que son père cachait. Et donc en lisant toutes ces lettres, elle a l'information selon laquelle sa maman a travaillé dans l'humanitaire, dans un camp de réfugiés. Et c'est comme ça qu'elle va dans ce camp de Bidi-Bidi, parce que dans les lettres qu'elle reçoit, sa maman évoque une femme, une certaine Rose. Elle dit, ma mère évoque Rose, est-ce que ce ne serait pas une jeune femme qu'elle a plus aimée que moi? Et donc elle va, en effet, c'est une enquête, elle va rencontrer ces femmes, et ces femmes lui diront que tout le bien que leur maman a fait, elle a travaillé comme une infirmière dans ce camp de réfugiés, et comment elle réparait les femmes pour se réparer elle-même. Ouais. Peut-être une dernière question avant de laisser au maître de cérémonie le contrôle de son avion. Ça va? Oui. Très bien. Juste, c'est peut-être un clin d'œil. C'est aussi un roman des silences, des non-dits, un peu qui se rapprocherait de notre ami qui était tout à l'heure ici, Rachid Benzine, qui a écrit Les silences des pères. J'ai l'impression que à côté du silence des pères, on aurait parlé du silence des mères. Oui, il y a une certaine pudeur. J'ai été élevée, éduquée en Afrique. Il y a, en tout cas, que ce soit les pères ou les mères, il y a une certaine pudeur dans la façon de communiquer entre parents et enfants. Et dans certaines familles même, le papa, on l'entend presque jamais. Sauf quand il faut dire des choses sérieuses, des choses importantes. Et la maman, d'ailleurs je le dis dans le roman, lorsque la petite fille Minga a les premiers assauts de sa féminité et que sa mère n'est plus là, elle va chercher, elle se dit, mais qu'est-ce que nos mamans nous transmettent finalement? Il arrive que les filles aient leurs premiers assauts de leur féminité et que les mamans disent juste, maintenant attention, si tu touches un garçon, tu tombes enceinte. Et ça s'arrête là. Pour le reste, chacune fait un peu son expérience. On ne transmet pas à une fille, on ne lui dit pas, attention, dans ma famille, il y a eu des fibromyalgies, c'est comme ça, docteur, ça se prononce? Il y a eu des fibromes, il y a eu des cancers. Souvent, il y a des choses qu'on découvre soi-même, parce qu'il y a une pudeur autour de la parole entre mère et fille en Afrique, et j'imagine que ce n'est pas en Afrique. Mm-hmm. En tout cas, Les femmes de Bidi Bidi, c'est un roman sur la détresse, sur l'espérance, sur les corps des femmes et sur peut-être notre responsabilité aussi dans cette vie pleine de violence, de sévices, etc., etc. J'ai eu du plaisir non seulement à le découvrir,
mais c'est un plaisir aussi d'être le premier à le présenter dans un public primordial. Merci beaucoup. Voilà. Parce que tout commence ici et la rentrée va commencer après ici. Voilà, merci beaucoup. Non. Oui, il faut rester. Il faut rester. Et alors? Alors maintenant, c'est... C'est l'arroseur arrosé? Oui. Nous avons la chance que cette année, tu aies écrit à nouveau un livre. Ça tombe bien pour le 20e anniversaire de la rentrée littéraire, dont tu es un des piliers. Hein? Ah si, un pilier. Et je dois vous dire que ça a été un peu compliqué de le faire venir, parce que ça ne coïncidait pas vraiment avec la sortie du livre, parce que le livre n'est pas sorti. Mais il est déjà là. On a eu le droit de l'avoir en avant-première, nous sommes les seuls en France à vous le proposer aujourd'hui. C'est primordial. Alors, nous n'avons pas le droit de le vendre en dehors de la présence de l'auteur. C'est ça qui fait. Sinon, on aurait des procès par les concurrents. Voilà. Et les concurrents prestigieux, quand même, à avoir, vous imaginez, avoir un Mabankou avant Ama, je sais pas quoi, ou avant c'est terrible. Bon, voilà, mais on a cette chance et vous allez pouvoir donc avoir accès à ce livre. Et il s'appelle « Lettre à un jeune romancier sénégalais ». Alors évidemment, c'est une indirectement, c'est une citation d'un autre livre. Mm-hmm. Oh. Oui, c'est un clin d'œil à deux livres que j'ai aimés et qui donnent la passion de l'écriture, la passion de la littérature, de la lecture. C'est la lettre au jeune poète de Rilke, mais aussi lettre au jeune romancier, au jeune romancier de Maria Vargas Llosa. Dans ces deux livres, j'avais constaté que beaucoup d'entre nous avons peut-être la vocation littéraire ou la vocation d'écrivain, mais on n'a jamais su détecter les signes qui vous auraient peut-être orienté vers cette activité. Et donc, je suis allé au Sénégal l'année dernière, début de l'année, et nous étions allés là-bas pour un défilé de mode, invité par le couturier Chanel Okwala, qui faisait pour la première fois un défilé en Afrique noire. Et moi, je suis arrivé tranquille, je me suis dit, ça sera une fête, on va seulement boire, etc., etc. Non, on a fait des choses culturelles. On a fait des documentaires, etc. Et puis, il y avait un jeune Sénégalais qui, chaque fois, venait me chercher à l'hôtel. Je ne suis pas là, il arrive à tel moment. Dès que je l'ai vu, et il est venu avec son manuscrit, et nous avons commencé à discuter de littérature. Et au bout d'un moment, il m'a dit, mais je vais être écrivain. Quel conseil tu peux me donner pour être écrivain? Et à ce moment-là, on a échangé quelques lettres, etc. Et quand je suis rentré aux États-Unis, j'ai alors commencé à écrire ce livre, Lettre à un jeune romancier sénégalais, qui est paru aux éditions Le Robert, là où il y a les dictionnaires, hein, donc ça rigole pas, hein, lexicologie, etc., etc. Et je voulais faire un livre plutôt personnel, mais aussi ouvert aux autres. C'est pour ça qu'à l'intérieur, il y a même mes manuscrits qui sont raturés, les premières phrases que je commence, les photos d'enfance, les éléments qui m'ont marqué comme les bandes dessinées, les imblas, les textuaires. Tout cela a été raconté comme si c'était un roman, mais ce sont des lettres que j'adresse justement à cet écrivain. Et pour moi, puisque j'ai souvent vu que en France, s'est développé beaucoup les ateliers d'écriture. Eh bien, je voulais donner ma part de contribution en disant que lorsque vous enseignez les ateliers d'écriture, il y a plusieurs choses qu'il faut ne pas rater de préciser. La vocation, à quel moment on se rend compte que là, on deviendra écrivain.
Et quelle est la part du travail? Parce que le talent ne va pas suffire. C'est le travail, l'opiniâtreté que vous allez mettre dans votre démarche. Et partant de cela aussi, il y a la question de l'enfance, de la famille, de l'observation que vous avez, de la langue que vous portez, etc. etc. Donc c'est un livre sur l'écriture, sur la littérature, mais c'est aussi un GPS en matière d'atelier d'écriture. Voilà. Vous vous rendez compte? Alors, je vous demande absolument d'acheter ce livre. Oh là là! Pourquoi? Parce que vous savez que les éditeurs, les libraires, sont inondés de demandes. Ah, j'aimerais bien, est-ce que vous connaissez un éditeur parce que j'ai écrit quelque chose? Est-ce que vous pourriez me présenter à telle personne? Nous sommes totalement impuissants. Nous, pauvres libraires, bref. En plus, bon, j'ai une amie précieuse qui est ici, qui a été une de mes collaboratrices, que j'ai formée, et qui a été l'assistante d'un très grand éditeur français, qui n'est plus parmi nous, alors qu'il a été ici au Cap Ferret. Parce que je voudrais faire un hommage à ceux qui vous ont aidé pendant ces 20 ans et qui ne sont plus là. Dominique Noguez et Bernard de Fallois. Voilà. Et je parle Philippine, qui est là, présente aujourd'hui, qui a commencé son travail comme libraire, puis est devenue assistante d'un des grands éditeurs français et qui est maintenant la patronne de sa propre maison d'édition et qui m'aide toujours à faire cette rentrée littéraire. Je crois qu'on peut l'applaudir. Philippine ! Donc je demande pitié, pitié pour les éditeurs, parce que ce qui est présenté n'est pas toujours bien finalisé. Et que les gens qui écrivent et qui veulent être édités, soit doivent dépenser beaucoup d'argent dans des ateliers d'écriture, soit ils doivent acheter le livre d'Alain Mabankou. C'est beaucoup moins cher. Et c'est beaucoup plus efficace. Parce que je suis persuadé que même si vous, vous n'avez pas envie d'écrire, vous devez avoir un petit-fils, une petite-fille, un fils, une fille, qui se dit « Ah, j'aimerais bien, peut-être, il faudrait que j'écrive. » Et je pense que dans nos familles, ça serait pas mal d'écrire de temps en temps l'histoire de nos familles. Et que nous, à un certain âge, je pense qu'il faut que l'on réussisse à faire passer peut-être un témoignage de ce qu'on a été. Ça peut être précieux pour vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vos arrière-arrière-petits-enfants. Donc, profitez-en, il n'y a que 100 exemplaires. Et ce sera les premiers qui se jettent sur les exemplaires qui seront servis. Alors, je dois dire aussi... Ouais, non, mais c'est vrai. En plus, c'est fait avec Alain, c'est toujours fait avec précision... Intelligence, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez qu'il est quand même professeur de littérature dans une des plus grandes universités du monde, aux États-Unis, n'est-ce pas? Nul n'est pas fait comme... Ouais. Et donc c'est un professeur dans l'âme, et puis surtout c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. Donc dans ce livre, il y a de la générosité, il y a du professionnalisme. Et il y a beaucoup d'amitié parce que il nous fait, en étant ici, vous savez, c'est lui qui s'est payé le voyage Los Angeles Cap Ferret. Hein. Moi, j'ai pas pu suivre là. Comprenez, parce que les éditeurs, ils sont sympas, mais parfois le Robert, il a pas voulu payer. Voilà. Le Robert. Donc. Plus jamais un auteur du Robert. En tout cas, voilà. Et ça, il faut. Ça, c'est ça l'amitié. Hein. Voilà. Voilà. Alors, de l'Afrique, nous allons passer à l'Amérique. Et alors,
ça tombe bien parce que là nous avons un auteur qui n'est pas un professionnel. Il est là. Alors lui, on n'a pas pu lui faire. Il va pleuvoir, c'est pas vrai. En 20 ans, on n'a eu qu'une seule fois la pluie. Et ça sera la deuxième fois aujourd'hui. Alors, si jamais il y a des trucs, on va dans le. Ça va être le bordel. Hein. Bon, enfin bref. Alors, on accélère. Donc, monsieur, vous êtes victime du mauvais temps. Cet homme est là parce que c'est un ami d'un ami. Sachez-le. Parce que c'est un auteur compulsif, il écrit beaucoup de livres. Parce que c'était un hyperactif, il était chirurgien. Voilà. Donc, quand les chirurgiens se mettent à écrire, voilà ce que ça donne. Alors, ça donne un livre qui nous parle de quoi, cher ami ? Avant, je tiens à m'excuser. Ah, c'est bien, c'est un bon début. Je tiens à m'excuser parce que j'arrive d'une contrée lointaine qu'on appelle le Nord, le Grand Nord, à savoir la Bretagne, et je vous ai amené un peu ciel breton, et je ne m'y attendais pas du tout. Ah ben oui. Pas du tout. Donc voilà, et donc j'ai des amis dans le Sud, puisque nous sommes dans le Sud, et donc j'écris, parce que je suis un vieil homme, un très vieil homme. Et donc, c'est mon septième livre, et j'ai une dette... Compulsive. Pardon ? C'est un peu compulsif, écrire 7 livres. Oui, mais bon, j'avais... En ayant démarré à quel âge ? J'ai à 72 ans. Oh ! À 72 ans, j'avais une mère qui était écrivain quand même avant. Mais ça justifie mais bon, rien. Et j'ai commencé à 72 ans, là je suis beaucoup plus vieux, c'est mon septième livre. Et j'avais une dette, j'avais commencé par ça, envers l'Amérique. Ah, alors mon livre est un roman historique, c'est-à-dire que j'ai créé un personnage qui nous emmène dans le 18e siècle de l'Amérique. À savoir le siècle où cette Amérique s'appelait la Nouvelle-France. Je ne sais pas si tout le monde sait qu'en 1750, par exemple, plus de la moitié, je dirais les 4/5 de l'Amérique découverte de l'époque étaient françaises en 1750. Alors, mon livre commence en 1754 et il se termine en 1805. Non pas à Austerlitz, on connaît, mais sur les côtes tripolitaines, où les Américains vont faire la guerre aux Arabes, à Tripoli. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque, une période que nous connaissons très peu, les guerres barbaresques. Entre Américains et barbares, puisqu'on appelait barbares ce qu'on appelait les régences. Le Maroc, on en a parlé tout à l'heure, avait déjà fait amende honorable avec ses Américains, les Americanos qui arrivaient, mais pas Alger, pas Tunis et pas Tripoli. Résultat des courses, à cette époque-là, les Américains se retrouvaient esclaves. Et mon histoire se termine donc avec cet homme qui est français d'origine et qui va être esclave à Alger pendant 11 années, entre 1785 et 1796. Ça, c'est l'histoire de mon roman historique et mon septième livre. Ça commence en 1755, quand les Français font la guerre contre les Anglais. C'était ce qu'on appelle, les Américains appellent ça le French and Indian War. Et nous, on appelle ça la guerre de 7 ans. À l'école, on apprenait ça. Et puis après, il y aura d'autres guerres. Il y aura bien entendu la guerre d'indépendance dans mon livre. Et puis, pendant toute cette période, vous savez que l'indépendance américaine est déclarée le 4 juillet 1776. Après la guerre d'indépendance, les Américains donc, sont confrontés à la puissance mondiale numéro un de l'époque, qui s'appelle l'Angleterre. Et malheureusement, sans l'aide de la France, jamais les Américains n'auraient pu se libérer
de la tutelle de la couronne britannique. Bravo! C'est bien, professeur. Non, je suis... Alors, je suis un... il faut qu'on se dépêche. Allez-y. Il faut lire ce livre. Il faut l'acheter. Des questions. Il sera... Non, il n'y a pas de questions, il pleut. Donc, ouais. C'est de ma faute. Ouais. C'est ma très grande faute. Alors, pour le moment, on continue un peu vite. Mais oui, on le fait taire. Qu'est-ce que tu veux, Benoît? Il est moins difficile à faire taire que toi. Et que Hourquevilly réunit, c'est sûr. Bon, alors, compte tenu de la situation, nous allons demander à Sarah Chiche de venir immédiatement, et nous allons sacrifier, comme d'habitude, les petits. C'est-à-dire, parce que je voulais que l'on parle aussi de notre ami Daniel Barr, qui est un fier écapien, que vous avez déjà, qui est déjà venu, donc il est là, il est très timide. Sarah, alors, on finit pas tant qu'il pleut pas trop. On attaque vite. Là, vous avez probablement un des prix, des grands prix littéraires de cette année. Vous savez qu'une de nos spécialités ici, chez Alice au Cap Ferré, c'est de détecter les prix. On a détecté des Goncourt, on a détecté des Féminins, on a détecté des Renaudot qui venaient, voilà. Alors je ne veux pas lui porter la guigne quand même, parce que en trop insistant, parce qu'on ne sait jamais, mais je voudrais qu'elle nous parle d'un roman qui a été particulièrement salué dans Sud-Ouest dimanche, les pages littéraires, par un garçon qui s'appelle Olivier Mauny, qui est un des grands critiques littéraires actuels en France, et qui n'est pas que chez Sud-Ouest, qui est même dans les nationaux, et qui a dit que c'était un livre formidable et un livre exceptionnel. Et cette femme est exceptionnelle. D'abord, elle est extrêmement gentille, elle est jolie, elle a une petite fille qui est très mignonne, et elle a écrit... Alors, je sais que je vais me décomposer. Et une partie du livre se passe à Bordeaux. Ouais. Ah oui. Alors, je suis navrée de vous infliger ça sous la pluie, mais je suis très très contente de voir tous vos visages si nombreux aujourd'hui. Je vais essayer de faire vite, hein, et j'espère que le temps ne va pas nous gâcher la fête. Peut-être que certaines et certains d'entre vous connaissaient mes précédents livres ou pas, en tout cas Saturne ou Les Enténébrés, donc plutôt une veine d'inspiration autobiographique. Et voilà, j'ai voulu complètement me renouveler et marquer une rupture absolument radicale avec ce que j'avais pu faire précédemment. Et à partir de la découverte d'un fait absolument incroyable. Vous savez que le peintre Francisco de Goya, peintre à cheval sur le 18e et 19e siècle, parce que lui-même et sa compagne avaient des idées qui déplaisaient fortement à l'Inquisition, quand l'Inquisition a été de retour en Espagne, se sont exilés à Bordeaux et que Goya est mort à Bordeaux en 1828. Et quand on a voulu le rapatrier son corps, quelques années plus tard, on a découvert, oui madame, vous faites le geste, avec stupeur, que son crâne avait disparu. Et bien c'est en découvrant cette histoire absolument incroyable et toutes ces hypothèses, certains ont dit que le crâne avait atterri au sol et son bras, un cabaret de Bordeaux, où il était vénéré comme relique dans les années 50, avant que le cabaret ferme du jour au lendemain pour des raisons mystérieuses. D'autres ont dit qu'on l'avait emmené à Paris et qu'aujourd'hui encore, il serait peut-être dans l'arrière-salle d'un hôpital psychiatrique parisien. D'autres encore ont dit que, non pas du tout, c'était un grand mécène, le marquis de Saint-Amrian, mécène auprès des exilés espagnols à l'époque, qui l'avait fait voler par son valet Fieros, lequel Fieros a peint une vanité intitulée Crâne de Goya.
en 1849, alors même qu'à l'époque, on ne savait pas que le crâne de Goya avait été volé. Donc c'est en m'intéressant à tout ça que je me suis dit, allez, je vais inventer quelque chose. Et donc je suis partie, on est en 2022. Une femme, médecin légiste, en pleine tourmente de l'hôpital public, vous savez, l'hôpital en post-épidémie, avec sa crise, ses urgences délabrées actuelles, et ses collègues, un soir, elle reçoit un mail mystérieux, lié justement à la question du peintre Francisco de Goya et de son crâne. Et alors là, stupeur pour cette femme Camille, puisque des années plus tôt, son père, sa mère et son parrain, qui étaient alors tous trois étudiants en médecine à Bordeaux, jeunes étudiants en médecine, se sont passionnés pour l'histoire de Goya et l'origine de son génie. Alors pourquoi ? Avant de vous dire pourquoi, et donc à la suite de cela, il va partir à Bordeaux. Je fais une incise. Ce qui est incroyable avec Goya, c'est que c'est un homme, et c'est ça aussi qui m'a intéressée, c'est un homme qui a eu mille vies. Il a commencé par être peintre de cour. C'est un type qui au départ a voulu absolument tout faire pour plaire aux puissants. Il est allé jusqu'à épouser sans amour une femme parce que quelqu'un de sa famille était introduit auprès de la cour du roi. Moyennant quoi, il est devenu peintre de cour et a fait des cartons de tapisserie très aimables et très académiques. Et puis un jour, on est en 1792, à Séville, il marche, il est foudroyé en pleine rue. C'est une attaque neurologique dont il émerge métamorphosé. Du jour au lendemain, ce type qui faisait tout pour courir après les honneurs s'en détourne littéralement. Sa palette s'obscurcit et ça donnera, vous connaissez peut-être, les gravures comme les désastres de la guerre, les peintures noires, les caprices, où il se fait le peintre visionnaire des désastres de notre temps. Et on peut dire que Goya, en fait, il a fait en peinture et en gravure l'équivalent de ce que Balzac a fait en littérature avec la comédie humaine. C'est une comédie humaine macabre, drôle. Nos vices, nos vertus sont exhibées de façon, avec une telle lucidité. Et bien c'est ça ce qui m'a intéressée. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce type pour que du jour au lendemain, sa peinture se métamorphose à ce point? Et donc à partir de cela, j'ai imaginé cette histoire, on revient à l'intrigue, cette histoire de femme, la cinquantaine, divorcée, une fille adolescente avec qui elle a quelques difficultés. Ses parents et son parrain, des scientifiques de renommée internationale, décédés quand démarre l'intrigue. Et donc ce mail mystérieux qu'elle reçoit de quelqu'un qui lui dit, qu'elle a des choses à lui révéler sur Goya et sur sa famille. Donc elle va prendre un train, et voilà. Et c'est là qu'elle arrive à Bordeaux, la ville où Goya est mort, la ville où ses parents et son parrain ont fait leurs études de médecine dans les années 60. Et son correspondant, en fait, c'est une femme, une octogénaire qui s'appelle Jeanne, ancienne directrice de théâtre, et donc qui a bien connu ses parents et son parrain. Et alors là, on rentre dans complètement une autre histoire où c'est Jeanne qui va raconter à la première personne là, sa jeunesse avec le père, la mère de Camille, le père Pierre, la mère Léa, le parrain Alexandre, quand ils étaient étudiants en médecine, et elle, cette Jeanne, elle venait d'un autre milieu, elle venait de la bourgeoisie bordelaise, très catholique, et du jour au lendemain, elle s'affranchit, oui voilà, certains se sont voilà. Du jour au lendemain, elle s'affranchit de ce milieu-là et elle décide de faire du théâtre. Mais bon, elle se fait embaucher dans ce cabaret, le sol y sombre, où il y a un crâne dont on prétend que c'est celui de Goya. Est-ce vraiment celui de Goya ou non? Alors le roman tente d'y répondre. Et c'est là qu'elle va rencontrer ses jeunes étudiants en médecine, Pierre et Alexandre, bientôt rejoints par Léa. Voilà. Alors c'était tout un... n'est-ce pas? Alors c'était toute une ambiance, c'était l'ambiance des carabins hein, à l'époque, voilà, c'est-à-dire que imaginez un cabaret qui est vraiment comme ce... Cabaret du carabin.
un cabaret de carabins où à la fois les exilés espagnols et en même temps la jeunesse estudiantine venaient s'encanailler après les cours, où il y avait des spectacles de flamenco, où il y avait donc ce crâne mystérieux, où il y avait un mélange des genres. Donc c'est toute cette peinture de cette époque bordelaise que j'ai voulu raconter à travers les souvenirs de Jeanne. Et alors là, on va découvrir l'histoire d'un trio, Pierre, Léa et Alexandre, qui dans les années 60 se sont autorisés toutes les libertés. Ils étaient obsédés par l'origine du génie. Et donc au nom de ça, ils sont allés farfouiller tout un tas de choses pour comprendre l'origine du génie de Goya. Je ne vous dévoile pas tout, mais on va aller du siècle des Lumières jusqu'à une société secrète de médecins et à un moment donné, les catacombes de Paris. Alors, c'est vrai que là, on est dans la fiction. Et par rapport à ce que j'ai pu faire précédemment, où c'était assez mélancolique, hein, une mélancolie très affirmée, même très revendiquée, là, même si on est parfois dans le macabre, je ne m'interdis pas la drôlerie. Vous verrez au début du roman, les scènes à l'hôpital, voilà, il arrive tout un tas de choses rocambolesques à Camille et à ses collègues. Puis j'avais envie, voilà, le dolorisme, ça va bien deux secondes, ou ça va bien pour quelques livres, mais j'avais envie d'essayer de montrer que je suis peut-être capable de faire autre chose, alors vous me direz, ou pas, vous jugerez. En tout cas, voilà, et puis c'est un roman qui célèbre les lumières de l'intelligence, parce que je trouve qu'à une époque où la stupidité a tendance à s'exhiber très fière d'elle-même, ben voilà, j'avais envie de proposer quelque chose avec des personnages qui sont tous fascinés et aimantés par la quête de l'intelligence. Bravo! Vous avez remarqué qu'elle n'en manque pas. Hein? Moi non plus. Alors, je vous présente Pierre, qui est neurologue. Bonjour. Qui était un carabin. Son épouse, qui était également médecin. Un autre qui était aussi étudiant en médecine, Philippe. Philippe, lève la main. Voilà. Voilà. Les médecins, les toubibs, levez la main, n'ayez pas peur. Ah, regardez. Et les Dulu qui sont pas là, ils lèvent pas la main. Oui, les Dulu qui s'est barré. Ah non, voilà. Voilà. Et il y avait le chirurgien là aussi. Voilà. Ça, c'est le cas Ferret, avocat, chirurgien. Comment on fait pour les lunettes? Comment on appelle ça, les lunettes? Ophtalmo. Enfin bref, ils sont tous là. Toi, la ferme. Frédéric Becbédé. Frédéric, viens ici. Où il est? Viens ici. Allô, on m'entend là? Oui. Frédéric Becbédé, mesdames et messieurs, vous allez assister à une scène de réconciliation. C'est très très rare. Frédéric Becbédé, qui, vous le connaissez tous, c'est un ami. Alors, je fais une réconciliation entre Sarah Chiche et Frédéric Becbédé, qui avait été très vilain, très méchant, il y a longtemps, sur Le Masque et la Plume, sur un livre de Sarah. Demande pardon à Sarah, fais-lui une bise. Fais-lui une bise d'abord. J'ai pris les photos là. Voilà. Non mais, allô? Ça marche? Oui, ça marche très bien, parle fort. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Ça marche pas. Là, c'est typique de ce genre de sabotage que pratique la famille Urquebi. La famille Urquebi fait exprès de me couper. Couper le micro. En réalité, c'est Sarah qui a coupé mon micro. Elle m'en veut encore. Mais chaque livre est différent. L'œuvre de Sarah Chiche a pu, comme elle l'a dit précédemment, s'égarer dans une forme de dolorisme, et puis elle a vu la lumière. Elle est venue ici, au Cap Ferret, et elle a trouvé le crâne de Goya à Bordeaux, et puis elle a progressé. Je crois que le rôle des critiques littéraires, c'est de changer d'avis.
Si nous ne sommes pas capables de changer d'avis, je suis très sérieux, à ce moment-là, nous devons mettre la clé sous la porte, nous devons faire un autre métier. On ne va pas toute sa vie dire, répéter les mêmes opinions, positives ou négatives, sur un écrivain. Il faut pouvoir constater la réalité qui est que Sarah Chiche est devenu, avec ce roman, un grand écrivain. Bravo! On applaudit! On achète! Maintenant, il va falloir que je le lise, maintenant. Santiago Amigorena est là, écrivain très important. Et pourquoi on me coupe tout le temps dès que je dis du bien des gens? On n'est pas habitué. En fait, quand... Oui, c'est ça. Non, mais quand un critique dit du bien, c'est tout de suite ennuyeux, c'est vrai. Ouais, mais non. C'est ça, que... c'est une grande injustice. Il y a une prime à la méchanceté dans mon métier. Oui. Et c'est malsain, c'est malsain. Voilà, je rends hommage à Santiago parce qu'il est... Les auteurs qui viennent au Cap Ferret, au festival littéraire de la famille Urquebi, généralement viennent, dédicacent et s'en vont le lendemain. Mais Santiago, lui, il est là tous les soirs et il est curieux de voir le travail de ses confrères et consoeurs. Donc, on applaudit Santiago. Voilà. Qui était présent déjà le premier c'est soir. C'est ça, bien sûr. Et oui, alors... qui a beaucoup signé. Bon, Patrick. Oui. Non. Je ne te laisserai pas le micro. Tu n'auras pas le micro. Je voudrais te rendre hommage parce que cela fait 20 ans que je suis venu ici pour la première fois et que tu te bats pour les écrivains vivants, pour la littérature contemporaine. Tu fais de gros efforts, tu loues des chaises. Non, elles sont gratos. C'est les seuls trucs que la mairie nous file, les chaises. Écoute, et la tente. Tu m'as servi du Lalande Bory, puis une bouteille de Cantenac Brown. Ça, tu n'es pas au courant, c'est ton personnel. On est bien reçus. Et ce que tu fais, c'est vraiment te battre pour faire vivre et donner envie aux gens de lire les écrivains avant leur mort. Ce qui est mieux qu'après, pour nous. C'est préférable, même si on aime lire aussi des écrivains décédés. Je ne critique pas du tout les bibliothèques, mais les libraires vendent des écrivains en vie. Et toi, tu t'es battu pendant ces 20 années. Oui, c'est vrai que ça se voit que j'ai un peu bu, mais je te rends hommage. Et voilà, même si tu es bavard, tu es quand même un type bien. On peut l'applaudir. Bon, alors, comme il pleut, je ne vais pas vous embêter en vous parlant de mon œuvre. Vous la connaissez déjà, et puis, il y aura peut-être... J'espère que j'écrirai d'autres livres qui seront meilleurs. Mais non, ils sont très bons. Voilà. On a fait un tabac ici avec le barrage. Ah oui, alors, tiens. Ah oui, tiens, voilà. Parce que, oui, il est l'homme du barrage. Parenthèse promo, le barrage qui coûtait 20 euros, désormais est en poche, et donc il est disponible à 8 euros. Mais pas encore, on ne l'a pas encore reçu. Si, il est là. Il est là. Oh, bravo, le barrage contre l'Atlantique. Le livre. C'est le seul libraire de droite de France, il est chez Alice. Non, il y en a de plus en plus. Ah bon? Mais non, je vous présente le personnage principal. Ni à la FNAC, ni chez Cultura, ni chez tout ça. Ni chez Mola. Akbar. Oui. Le personnage principal du barrage contre l'Atlantique est présent ici. Il s'agit de moi. Et lui passe pas le micro, parce que je sais comment ça finit. Parce que... Lève-toi, Benoît, tu vas j'ai pas fait parler, croire. On te voit quand même. J'ai fait croire au monde entier que j'écrirais un livre sur la digue Barthe-Roth. En réalité, je me suis installé chez Benoît et j'ai parlé de moi. Ouais. C'est une arnaque. Non, mais Benoît, lève-toi. C'est une arnaque. Mon amitié pour toi m'a coûté 15 ans de... De blacklistage par l'ancien maire. Alors le nouveau, oui, il est encore là. Le nouveau maire. Oui, il est déjà parti. Oui. Oh, le nouveau maire. Parce que là, c'est là où on voulait commencer à tacler un peu. Mais il sera là plus tard, je crois. Ah, il revient tout à l'heure. Donc vous vous occuperez de lui, les auteurs, pour lui expliquer que Urquebi, il arrête. Ah, alors voilà, tiens, voilà le scoop de la soirée. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'arrête de faire la rentrée littéraire seul, en tant que patron d'Alice, parce que
J'ai 20 ans de plus. J'ai commencé à 50 et là j'ai 70 cette année. Et donc bravo, je pense... Bravo. Et je pense qu'il faut savoir arrêter quand ça marche. Voilà. Donc là, je vous remercie tous infiniment d'être aussi nombreux ce soir. C'est l'occasion de... Voilà. Alors, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont prendre la suite. J'en sais rien. Peut-être que les libraires de droite vont réussir à vendre leur villa à Piquet pour payer le... Ah, et avec le cavis, j'en sais rien, c'est leur problème. Hein. Attendez, chacun... Mais je pense que quand on veut, il faut... Soit on fait quelque chose et on essaie de le faire bien, soit il ne faut pas le faire. Et je crois que maintenant, ce qui est important, parce que les choses évoluent beaucoup, il faut savoir se retirer un peu sur la pointe des pieds, peut-être continuer à aider ceux qui voudront continuer. Mais je pense qu'on doit aux auteurs toujours quelque chose de très important, c'est qu'on soit un moment pour eux de lancement de la rentrée littéraire, puisque c'était ça l'idée. On a réussi à prendre une position puisqu'on est les premiers à faire parler les auteurs. Il faut que ces auteurs, chez nous, prennent confiance, qu'ils aient en face d'eux un public nombreux, un public chaleureux, un public qui aime lire, un public de qualité. Et ça, au Cap Ferré, on l'a toujours eu. Il n'est pas aussi important qu'on pourrait peut-être l'espérer. Ils signent pas autant de livres qu'ils peuvent signer dans les foires, la Corrèze, partout. Ah, horrible Corrèze. Mais ici au Cap Ferré, ah oui, la Corrèze, il faut pas me parler à Corrèze. Ah, ça m'a coûté une fortune, la Corrèze. Ah, ne critiquez pas Brive-la-Gaillarde. Oh, surtout Brive-la-Gaillarde. Surtout Brive-la-Gaillarde. Bon, enfin bref. Patrick, revenons. Non, Patrick. Et donc il faut absolument je te dis, que... Je te passe... dis mon avis, je crois que tu te mens à toi-même et que tu vas continuer. Tu vas continuer, tu verras. L'an prochain, tu seras toujours là. Tu vas remonter sur le ring. Tu crois? Tu ne vas pas laisser tomber quand tu es comme Rocky. Ouais. Rocky Balboa. Ouais. Regarde-toi. Ouais. Là, tu Frédéric. Il est de retour. Ah, je ne sais pas. Peut-être, Frédéric. Je vais essayer. Peut-être, Frédéric. Merci. C'est vrai que faire le pit, ça me manque encore. Ça, c'est vrai. Ouais, il paraît. Sur C8. C'est news. Tu peux pas me pistonner un peu à la télé? Hein? Je sais comment il s'appelle. Je vais proposer à Vincent Bolloré. En plus, il y a un fournisseur. Hein. Bon, les amis, alors, je n'ai pas parlé et je n'ai pas laissé parler des jeunes qui auraient besoin d'être mieux connus. Où il est, Barre? Il est là. Regardez cet homme. Regardez ce jeune homme. Ce jeune homme s'est marié plusieurs fois. Plusieurs fois. Il a gagné beaucoup d'argent parce qu'il a été le metteur en scène des plus belles pépées de la Terre, puisque c'était le groupe Élite. Il est très malin. Il a réussi à vendre Élite aux Chinois. Et à l'occasion, il a épousé une Chinoise. Alors, ah oui, qui voilà, s'appelle... Il a épousé une Chinoise. Alors, à chaque fois qu'il me présente, il dit toujours, et en plus, il a épousé une Chinoise. Mais viens ici, viens parler au micro, ils ne t'entendent pas. À ton âge, tu n'as plus la voix, là. Viens là. Et le petit avocat, là, préparé, qui se prépare aussi, il est encore là, le petit avocat. Viens là. Voilà, on m'entend toujours là. Il marche pas celui-là? Ouais. Oui. Bon, alors, il marche le micro? Là, oui, ça marche. Oui. Non. Bon, ça marche pas. Mais si, ça marche. Voilà, ça marche. Voilà. Non, ça marche pas. Alors, bien. Si. Ça merde. Ça merde. C'est la merde. Non, ça y est, ça marche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? T'as épousé une Chinoise ou pas? Oui. Oui, j'ai épousé une Chinoise. Et tu as raconté son enfance? Oui. Parce qu'elle a été... Chinoise. Chinoise. Alors, et elle a vécu une période très,
très dur. Oui. La révolution culturelle. Oui. En Chine. La révolution culturelle en Chine. Elle avait 4 ans. Elle n'était pas encore ma femme. Mao Tse-Tung arrivait. Ce n'était pas un copain à moi. Ça a duré 10 ans. Son papa et sa maman. Hein? Son papa et sa maman, qu'est-ce qui leur est arrivé? Son papa et sa maman. Ben, son papa était journaliste, alors il était un petit peu dans une maison de redressement pour apprendre à vivre pendant 5 ans. Sa maman... Elle est là. Sa maman a beaucoup souffert, elle en est morte. Il y avait sa sœur, il y avait son père, mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que Beau, que vous allez peut-être lire, c'est l'histoire de la révolution culturelle, évidemment, mais vue à travers les yeux d'une enfant, d'une petite fille qui s'imagine peut-être que le monde entier, connaissant par le nôtre, était comme elle vivait elle. Et parce que Yumbo racontait sa vie un peu tous les jours, qu'un jour on a eu l'idée de... Parce qu'on n'est pas écrivain, qu'on a eu l'idée d'en faire un écrit pour la famille, pour le souvenir. Et puis il se trouve que plusieurs amis l'ont lu, qu'on a eu un éditeur qui est là, qui va venir nous rejoindre, qui est là, voilà, et qui est là, et cet éditeur a édité ce qu'on appelle aujourd'hui Beau. Bien, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire, pour que un livre naisse, ben, il lui faut plusieurs naissances. La première, évidemment, c'est les auteurs, c'était Yumbo et moi. La deuxième, eh ben, évidemment, c'est l'éditeur, parce que sans éditeur, ben, il n'y a pas de livre. La troisième, elle est devant vous. Alors, un jour, je suis rentré dans une boutique au Cap Ferret pour acheter du vin. Et il se trouve que dans cette boutique, on vendait aussi des livres. Alors, le vin et les livres, c'est formidable. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il m'a dit, tu viens fêter avec nous la rentrée littéraire. Et on a fêté la rentrée littéraire et ça, on a été très heureux. Depuis, on ne quitte plus le Cap Ferret à cause de lui. Et nous voilà ici ce soir. Et je dois dire que je voudrais, moi, rendre hommage, non pas à la littérature, mais à ce monsieur qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour les auteurs. Et ayant été un moment de l'autre côté, je dois dire que c'est formidable ce qu'il fait. Le boulot qu'il fait est formidable. Je pense qu'il faut l'encourager, qu'il faut l'aider, qu'il faut l'applaudir. Très fort. Voilà. Et surtout, oui, on souffle là, on souffle l'éditeur. Voilà. Alors, Beau, je reviens 5 minutes sur Beau. Oui, le boulot qu'il fait pour les éditeurs. N'est-ce pas? Évidemment. Voilà, le boulot qui fait. Alors, les éditeurs, applaudissez, putain, ils sont nombreux. Après cette troisième naissance, il y a une quatrième, c'est celle des lecteurs, évidemment. Et comme je dis que le paradis se vit ici, au Cap Ferret, il y a la mer, il y a les huîtres, il y a le pinard, il y a les bouquins, il y a Monsieur Barterotte, il y a... Et Monsieur Barterotte qui jette des camus dans l'eau pour sauver Cyrès du Cap Ferret. Et puis, ben, je vais vous passer mon éditeur qui va dire 3 mots sur l'édition. Et puis, je suis très content d'être là, très content de vivre ici. Et puis voilà. Et puis, ah, merci. Merci oui, beaucoup. Bon, c'est un super livre. Allez, le petit avocat là. Ouais, l'avocat. Mais voilà un petit avocat. Alors, c'est pareil, après un chirurgien. Un autre malade pris de comment on appelle ça cette maladie de celui qui veut écrire sans arrêt. Il n'arrête pas de... Professeur, hein, la grosse oui, enfin bref, voilà la graphomanie, un autre graphomane et qui combien de dites déjà? 2. Alors on a parlé, c'est déjà il y en a peut-être un de trop. 2 en 6 mois. En 6 mois, voilà. Alors là, voilà. Alors là, c'est pour ça que je lui ai dit de venir ce soir. C'est de la monomanie. Oui, oui. C'est pour ça que je lui ai dit de venir ce soir, parce qu'il va acheter le livre
d'Alain Mabankou. J'ai d'abord acheté mon livre. Ouais, pour, bah, pour que ce soit livre. La première. Non, chose. Mais bon, il est sympa, je le connais. Il était marié avec une jeune femme qui a travaillé pour nous. Hein? Il est divorcé, enfin bref. Marié, divorcé. Divorcé, ouais. C'est un avocat, hein. C'est un avocat, les avocats. Là, il y a le roi des avocats de France, là, qui a été. Regardez-le, regardez-ci, s'il est beau, le grand avocat. Pierre-Olivier Sûr, bonjour. Voilà, le bâtonnier de Paris. Mesdames et messieurs, applaudissez le bâtonnier de Paris. Ouais. Mais j'ai aussi aperçu, puisque vous parliez du petit avocat, et il y en a des grands, Pierre-Olivier Sûr est là, il y a aussi Jérôme Viroux, que j'ai croisé par là, qui est ancien bâtonnier du barreau de Bordeaux. Oui, il est Jérôme. Il est là-bas. Ah, voilà. Alors, bonsoir, Jérôme. Il est plus petit, en taille. Est-ce que vous pourriez vous mettre à côté de votre confrère bâtonnier, cher bâtonnier? On voit la différence entre Bordeaux et Paris, il y a 25 cm. C'est la moitié du barreau. C'est la moitié du barreau. Bon, non, c'est pour vous dire quand même qu'on a une bonne clientèle. Ça, c'est sûr, on a une bonne clientèle. Voilà. Alors, vous avez écrit un livre sur votre expérience, vous êtes monté dans une montagne. Exactement. Moi, je suis passionné des Pyrénées depuis que je suis enfant. Et mon rêve était de partir au camp de base de l'Everest pendant très nombreuses années, ce que j'ai fait il y a 3 ans. Mais ça ne m'a pas suffi, donc j'ai décidé cet automne dernier, au mois d'automne de l'année 2023, de repartir dans l'Himalaya pour faire un sommet un peu plus haut. Et je crois que ça devient compulsif, on a envie de monter de plus en plus haut. Donc je voulais faire un sommet qui s'appelle le Merapic, qui est le plus haut trek du Népal, dans l'Himalaya, qui fait 6476 mètres. Et j'ai parcouru ce pays du Népal qui est absolument incroyable. On parlait des femmes tout à l'heure en Afrique, il y a au Népal des femmes qui gèrent la boutique, notamment dans les lodges, et qu'on appelle les Didi, et qui sont des femmes exceptionnelles parce qu'elles élèvent leurs enfants, les enfants des maris qui sont Sherpas ou porteurs, et font tourner les lodges matin, midi et soir pour nourrir les alpinistes du monde entier. J'ai passé 3 semaines au Népal, dans l'Himalaya, j'ai eu très froid, j'ai beaucoup souffert de l'altitude, puisque à partir de 4000 mètres, on a des bouleversements physiologiques qui sont difficiles à gérer, mais tout ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Empirisme » parce que je crois qu'on ne sait tout que de sa propre connaissance et de son expérience. Même en ayant été avocat, étudié 5 ans en droit, et ayant fait tout de travers depuis en étant avocat, vous l'imaginez, surtout avocat pénaliste, eh bien j'ai décidé d'écrire un livre en 2 parties. La première qui s'appelle « Face Nord », qui est donc le récit de cette aventure népalaise, dans laquelle j'ai beaucoup souffert, mais aussi pris beaucoup de plaisir, notamment en termes de vue, parce que le Népal est absolument incroyable, même si c'est un pays très pauvre, notamment depuis le tremblement de terre de 2015 et celui de 2018. Mais j'ai vécu une aventure extraordinaire là-haut, avec quelques avocats du barreau de Paris d'ailleurs. Et la deuxième partie a été consacrée à la façon dont on peut gérer des expériences de sa vie. Vous parliez de divorce tout à l'heure, moi je suis divorcé 2 fois, donc marié 2 fois. Et vous aussi? Vous viendrez dîner à la maison à Kawé. Les champions de toute catégorie. Plus vieux, eh oui, en effet. Et donc moi, l'occasion de cette deuxième partie était d'arriver au milieu de ma vie, un peu plus, puisque j'ai 53 ans aujourd'hui. Et ben voilà. Donc, c'est l'âge de mon père, c'est parfait. Et pour avoir une grande discussion, un peu plus que celle que j'ai avec mon père aujourd'hui. Et donc, il s'agissait, avec mon expérience d'avocat, avec mon expérience de père de famille, puisque j'ai 3 enfants, et avec mon expérience de ma relation aux femmes, d'expliquer comment, dans notre société aujourd'hui, on peut gérer cette dualité entre l'exercice professionnel et la famille, cette dualité entre la position de père et la position de fils, parce que la transmission héréditaire, elle n'est pas toujours facile à vivre, et on nous transmet régulièrement des valises, et des valises à porter. Si on ne les évacue pas, c'est difficile à porter depuis plusieurs générations. Donc j'ai pensé à tout ça là-haut pendant 3 semaines. En marchant, on réfléchit beaucoup, on pense beaucoup. Et j'ai écrit là-dessus. Voilà. Empirisme, Himalaya, la montagne qui fait vaciller l'homme. Merci de votre attention et de votre écoute. Merci vous, parce que je connais quelqu'un qui va l'acheter. Parce que... Mais si, il va l'acheter, arrête, toi. Là, c'est sa femme. Elle est comme la mienne, elle le contrarie. Oh. Parce que son papa a fait l'Himalaya. Elle dit non, il dit oui, c'est comme chez moi. Oui, effectivement, mon père était membre de l'expédition française à Annapurna en 1950.
Voilà. Mais je ne suis pas un digne fils puisque j'ai porté les valises mentalement, mais je vais dire, je n'ai jamais fait de grandes expéditions. Par contre, on est allé plusieurs fois au Népal et c'est des expériences absolument formidables. Vous avez raison. Je parle de cette expédition dans mon livre parce que c'est la première expédition française en effet qui fasse à 8000 mètres après, avant les Anglais qui ont réussi à conquérir l'Everest, mais c'était avant les Anglais. Et donc c'était le triumvirat Gaston Rebuffat. Maurice Herzog. Exactement. Voilà. C'est pas mal ça. Alors, je dois dire d'ailleurs pour le Népal que nous avons ici des représentants. On m'entend ou pas? Non. Oui. Par la voix, pas par le micro. Je te vire, hein. Chignac, je te vire. Oui. Bon. Tant mieux. Au revoir. Et il a fait ça 10 ans gratuitement. Mise à pied conservatoire, ça va vous coûter cher. Ouais, non, mais c'était gratos. Bon, mais enfin, il va me demander 10 ans de facture. Enfin, putain. Non, parce que nous avons des représentants d'un Rotary, auquel j'ai l'honneur d'appartenir, parce qu'ils m'ont bien accepté. Je le regrette. Mais enfin, bon. Et nous avons fait une action pour le Népal. Si l'électrification d'un village au Népal. On n'est pas allé là-bas. On a donné du pognon. Voilà. Un petit village du Népal qui n'avait pas d'électricité, on a réussi à... Je vais vous donner une anecdote, Patrick. Lorsque vous êtes dans les lodges au-dessus de 4000 mètres d'altitude, le pays est très, très pauvre. Il n'y a même pas de bois pour chauffer les poêles dans les lodges. Les lodges sont chauffés pour la plupart du temps avec soit des bouses de yak séchées, soit des bouteilles laissées par les aventuriers, les expéditions, des bouteilles en plastique. Et lorsque la première fois j'ai ouvert ce matériel pour voir comment il chauffait, je me suis rendu compte que les Népalais mettaient des bouteilles en plastique pour se chauffer dans les lodges. Donc vous imaginez la pauvreté de ce pays. Oui. Alors je vous avais promis qu'on allait voyager, donc nous avons voyagé. Qu'est-ce qui me reste la France, on n'a pas parlé trop de la France. Est-ce que M. Benamou est là? Il est là ou il n'est pas là? Parce qu'il a été un de nos auteurs. J'ai essayé de cibler tous les auteurs. Il est venu, Benamou, ou il n'est pas là? Où il est? Ah si, Georges Marx, s'il vous plaît. Parce qu'il a écrit un bouquin fantastique, malheureusement, qui n'est plus disponible. On a un. Ça, on en a un exemplaire. Georges Marx. Et ça, c'est un problème des éditeurs, parce que pourquoi l'éditeur n'a pas réimprimé Georges Marx? Il n'a pas réimprimé l'éditeur. C'est vrai. On a essayé d'en faire venir, on n'a pas pu en avoir du grand format. Est-ce qu'il est en rupture? C'est chez Grasset, c'est Hachette, c'est comment il s'appelle, le fils Lagardère qui vaut rien. Voilà. Heureusement, il est chargé par un mec qui sait à peu près faire des affaires, qui s'appelle. Comment il s'appelle celui qui remplace Lagardère? Bolloré. Bolloré va reprendre les choses en main, il va faire rééditer cette petite merveille qui s'appelait Le Général a disparu. Il paraît en poche à la rentrée. Ah, voilà. Enfin, ils ont mis du temps quand même. C'est vous qui vouliez pas, parce que vous êtes mieux rémunéré sur les grands formats que sur les petits. Bon, est-ce que vous avez gardé un bon souvenir de la rentrée littéraire du Cap Ferré? C'est magnifique. Non, mais c'est vrai, c'est une rentrée magnifique, c'est un événement, c'est une joie. Et, Frédéric, la preuve, hein. Ah oui, il a dit que c'était génial. Voilà. Déjà. C'est le must. Il y a même Florence Godferno des éditions Albin Michel qui doit être par là. Qui est arrivé. Albin Michel. Voilà. Albin Michel. Ma banco. Est-ce que tous les auteurs qui sont là peuvent me rejoindre là? Tous les auteurs qui sont venus, hein, ne serait-ce que 5 minutes à la rentrée littéraire, vous pouvez venir pour qu'on fasse une photo. Même vous, cher monsieur professeur, vous qui avez écrit ce livre formidable sur les Indiens d'Amérique, sur Hyacinthe, et où la pluie a failli... Est-ce que, monsieur l'éditeur, tu pourrais bouger ton...
et venir aussi. Parce que j'ai deux copains quand même. J'ai un copain là, qui arrive là. Bon, il est en train de se déplumer, mais il a encore de très grosses responsabilités, puisque c'est lui qui fait fonctionner le groupe Média Participation. Voilà. Alors, pour vous dire que j'ai quand même quelques copains. Oui, Olivier, est-ce que tu peux venir aussi? Ah si, tu es représentant des actionnaires. Attends, sans toi et les autres, on ne serait pas là. Il est président du comité de... Si. C'est avec lui qu'on a fait une grosse bêtise à Arcachon. Mais heureusement, on a à peu près réussi à s'en tirer. Donc là, il y a où c'est qu'il est Claude là? Où il est Claude? Claude de Saint-Vincent, est-ce que tu peux venir là? Mais oui, mais il est là. Claude de Saint-Vincent, ah, viens ici. Viens ici. Ouais. Et je sais que c'est ton patron, mais c'est lui qui signe les chèques. Viens ici, Claude. Viens ici. Est-ce que tu pourrais augmenter le chèque de ma banque la prochaine fois? Alors... Wow! Le seuil tient par ma banque, tu le sais. Bon, il le sait, ça va. Oui, voilà deux spécimens d'HEC, de la promotion 75, illustre promotion. Illustre pourquoi? Parce que nous avons eu même un camarade qui est devenu président de la République, qui n'est jamais venu ici, alors que j'avais sollicité. Il n'est jamais venu, c'est dégonflé. Mais heureusement, bref, j'arrête là. Non, c'est nous qui avons honte qu'il ait fait HEC. Non, on n'a pas honte, parce que... Et, non, il était assez sympa. On rigolait quand même un peu avec lui. On rigolait, ouais, parce qu'il est marrant. Après qu'il ait été un peu dans la République, ça c'est un autre problème. Bon, enfin bref, on a d'autres choses après. Donc vous avez deux exemplaires de ceux qui m'ont aidé à rebondir dans les années, dans les années 2010. Ah, mais il y a un autre actionnaire, viens. L'autre actionnaire, mais il y en a deux. Viens là. Ah, il veut pas venir, il a honte. T'as honte de ta participation que t'as jamais pu récupérer? Ourquebille. Oui. Il paraît non, mais que qui ont financé le truc. Il paraît que le seul moyen de te faire taire, oui, c'est d'être ta femme. Ouais. Alors, j'ai une pensée pour ma femme. Où elle est? Non, elle n'est pas là. Non, elle m'a engueulé toute la soirée. Parce que vous faisiez bloc, vous empêchiez les clients de venir acheter quand même autre chose. Donc là, elle était très inquiète pour le tiroir caisse. Et oui, cette aventure, dont la rentrée littéraire s'achève ce soir, a été rendue possible par des mecs comme lui, là. Et qui m'avait présenté aussi quelqu'un qui a été très important pour nous et pour la rentrée littéraire et qui est décédé. Il s'appelle Alain Cook, qui a été le patron d'Editis. Donc Editis, vous savez, c'est ce que Bolloré possède et qui est obligé de rétrocéder parce qu'il veut récupérer Hachette. Et Alain a été vraiment quelqu'un de formidable et il nous a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Et quand il est mort brutalement, ça nous a fait beaucoup de peine. Donc vous voyez, c'est une histoire, 20 ans, où il y a eu des moments très, très heureux, puis il y a eu des moments... douloureux, voilà. Mais c'est 20 ans d'amitié, 20 ans de où on a essayé de faire un travail à peu près propre et correct pour la culture. Parce que la France, c'est la culture. Non, arrête de déconner, Bec Bédé. Mais lui, il croit pas, il croit plus en rien. Je l'ai fait venir à Grand Lebrun avec... comment il s'appelait, le curé qui touchait les petits garçons? Oh. Non, Monseigneur Di Falco. Monseigneur, il a fait un livre avec Di Falco, là, avec BD. Et on avait fait un tabac. Il était arrivé dans la chapelle de Grand Lebrun en disant « Oh, salut Madonna !» Parce qu'il y avait une icône de la Vierge. C'était sympa parce qu'il y avait tous les mômes. Ils étaient tous venus, on n'avait même pas été obligé de les forcer. C'est vrai. Et on avait fait... De quoi? Les auteurs. Alors oui. Alors, l'éditeur me rappelle à l'ordre, les auteurs veulent dédicacer parce qu'ils ont besoin de nourrir leur famille. Voilà.
Alors lui, il en a, lui aussi d'ailleurs. Ah, et monsieur Gévakov, est-ce que vous pourriez venir quand même, parce que c'est un auteur. Et, mais il est auteur et actionnaire. Mais lui, il est infernal, parce que j'ai dit de venir, il n'est pas venu. Il n'écoute jamais rien. Ah, en tout cas, pas moi, ça c'est sûr. Mais ça, t'as raison. Bon, voilà. Ça m'est un de plus. 75. Mais il a fini dans les ministères, mais enfin bon, c'est pas ce qu'il a fait de mieux dans sa vie. Mais il a écrit des livres aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On verra, on verra, on verra. En tout cas, merci. Merci, 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 merci. Et bye bye, oh putain, il pleut. Voilà, on peut applaudir Patrick très fort et n'oubliez pas, vous retrouvez tous ces événements sur la TV Cap Ferré, sur le net, c'est très simple, allez-y vite, vous reverrez tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Les auteurs sont soit dans la tente là, la tente blanche là, allez faire signer les livres là, enfin, il faut qu'on nourrisse mes petits-enfants. Je vais boire un coup, tiens. Je vais boire un coup en attendant. Vous la voulez ? Non, vous êtes un peu chargé. 1, 2.